concitoyennes, on entend dire pas mal de choses. Il me semblait important, à la demande de la communauté de communes du Pays Mont-Blanc, de remettre un peu à plat et de voir quel était l'état des choses réelles. Et pour ça, on a décidé d'organiser, donc la communauté de communes du Pays Mont-Blanc a décidé d'organiser cette conférence en faisant appel à des scientifiques qui étudient cette question et travaillent sur cette question. Et puis, nous aurons aussi une intervention de M. Timothée Vedrenne. Donc, je vais vous présenter tout de suite nos intervenants. Jean-Luc Jacquezot, directeur de recherche au CNRS, docteur en chimie de l'atmosphère, qui conduit notamment le projet d'Ecombio, conduit par l'ADEME et un tas d'autres. Mais il nous en dira un mot un peu plus tard. Stéphane Labranche, sociologue, politologue, spécialisé sur les questions de l'énergie, de l'air, du climat. Et puis nous aurons aussi donc Timothée Vedrenne qui nous dira aussi ce qu'en disent un peu les habitants au niveau du programme ambassadaire, puisqu'il y a eu, vous le savez, beaucoup de rencontres sur le territoire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour voir un peu aussi comment les choses sont perçues sur le territoire. Nous aurons un temps d'échange avec vous par rapport aux différentes présentations. Et puis enfin, un temps de conclusion avec Étienne Jacquet, maire des Contamines Montjoie et vice-président à l'environnement pour la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Et Didier Chapuis, directeur adjoint de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, association qui s'occupe de la mesure et de la qualité de l'air en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis enfin, je vais faire moi une courte intervention de 5-10 minutes à partir d'éléments qui nous ont été envoyés par Valérie Sidron, qui est épidémiologiste, chercheur à l'INSERM, et qui a fait aussi un peu un état des lieux des données en termes d'impact sur la santé rapport à la pollution atmosphérique. Voilà, donc on sera, vous le voyez, sur un déroulement de soirée où on aura d'abord les présentations plus techniques avec Jean-Luc Jacquezot. Je prendrai ensuite la parole pour présenter les travaux de Valérie Sirou. Timothée Vedrenne prendra ensuite la parole, suivi de Stéphane Labranche, et puis après un échange et enfin la conclusion. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jean-Luc Jacquezot pour nous présenter un état des lieux au niveau de la pollution atmosphérique et des particules. Parfait, merci Olivier. Bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir à Passy et de présenter les travaux qu'on peut mener, à la fois ici et puis dans d'autres environnements, ce que je vais m'attacher à faire ce soir. La présentation va être essentiellement basée sur les aspects de particules atmosphériques pour trois raisons. La première, c'est que je travaille là-dessus essentiellement. La deuxième, c'est que d'un point de vue réglementaire, ce sont des polluants qui sont préoccupants par rapport à la réglementation avec les dépassements qu'on peut observer à la fois en Vallée de l'Arve mais un peu partout ailleurs. Et puis la troisième raison, c'est aussi que d'un point de vue sanitaire, les particules atmosphériques sont un des principaux polluants, si ce n'est le principal polluant, qui va créer ce qu'on appelle un stress oxydant et donc générer tout un tas de maladies chez l'humain. C'est sur ces objets-là que je vais vous présenter un certain nombre de résultats. Voilà. Ce sont des travaux que je présente moi, mais qui sont des travaux collaboratifs qu'on fait avec un laboratoire à Chambéry, qui est le laboratoire de chimie moléculaire et environnement, et aussi beaucoup avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de beaucoup d'études sur les territoires managés par cette association. Je voulais commencer quand même par rappeler un certain nombre de fondamentaux sur ce que sont ces objets particules atmosphériques, parce que en discutant avec pas mal de gens, je me rends compte que il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas tellement connues et qui méritent d'être rappelées en fait pour pouvoir baser une discussion un peu sérieuse sur des concepts qu'on connaît. Dans l'atmosphère, en fait, on a des particules atmosphériques qui ont des diamètres et des tailles extrêmement variées, qui vont depuis quelques milliardièmes de mètres jusqu'à quelques dizaines de millionièmes de mètres. Si on fait un peu un raccourci, c'est des objets qui ont entre 5 mètres et 50 km si on va dans un monde un peu plus sensible. Donc on s'aperçoit que c'est des objets qui sont complètement
diversifiés, avec des propriétés différentes, etc., etc. Ces objets se répartissent généralement en plusieurs populations. Ici, il y en a une jaune, une verte, une jaune, une verte, qui se mélangent pas trop, d'ailleurs, pour un certain nombre de raisons, et qui, des populations qui sont issues de processus d'émission qui sont assez différents. Cette population-là, c'est plutôt des molécules gazeuses qui vont aller s'agglomérer entre elles. Cette population-là, c'est plutôt des combustions issues de processus de combustion à haute température, comme les émissions véhiculaires, par exemple, ou des choses comme ça. Et j'ai mis un petit trait rouge ici pour vous montrer ce que la gamme de dimensions de ce qu'on appelle des nanoparticules manufacturées. On voit que dans l'atmosphère, il y a bien d'autres nanoparticules, en fait, que les nanoparticules manufacturées. Si on va sur ce mode-là, en jaune, on est plutôt sur des combustions basse température ou des processus de transformation dans l'atmosphère. Et pour les plus grosses particules, on est plutôt sur des processus mécaniques comme la remise en suspension des poussières de route, les embruns marins, c'est pas tellement le cas dans la vallée, mais bon, voilà. Les poussières sahariennes, bien sûr, sont retrouvées dans cette dimension-là. Ce qu'on appelle les PM10, c'est en fait l'ensemble de ces particules-là. Et donc, ce n'est pas une classe de taille spécifique, c'est toutes les particules qui ont un diamètre inférieur à cette dimension. Et les PM2.5 sont comprises dans les PM10 et ont un diamètre qui est inférieur à 2,5 micromètres. Je voulais rappeler ici aussi que quand on est à travers des actions de type PPA et qu'on est en train d'essayer de produire des actions sur des émissions véhiculaires, on va essayer de réduire tout ce qui se trouve dans cette gamme-là. Puisqu'on va jouer sur les émissions directes, on va jouer sur les transformations des gaz primaires qui peuvent être émis à l'échappement. Et on est en train de jouer aussi par un certain nombre d'actions, comme par exemple la diminution de la vitesse, sur la minimisation de la remise en suspension des poussières de route, qui est aussi un facteur important. Donc voilà. Et par contre, si on est en train de jouer sur des actions biomasse, on est en train de jouer sur les diamètres de taille entre 100 nanomètres, des particules déjà très fines qui vont bien dans nos poumons, comme les autres, jusqu'à des tailles de quelques microns. Donc, voilà quelques aspects un peu remis à plat par rapport à ça. Une autre chose importante à considérer quand on est en train d'essayer d'agir sur les particules et pour comprendre les effets, c'est qu'en fait, on peut très bien discuter soit en masse des particules, soit en nombre de particules. Et en fait, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose. Ici, je vous ai représenté la même population en nombre ou en masse. Et on voit très bien que quand on est en train de parler en masse, les particules les plus fines comptent pour du beurre. Et quand on est en train de parler en nombre, ce sont les particules les plus grosses qui sont ne comptent pour rien du tout. Ce qu'il faut bien voir, c'est que peut-être, et c'est pas pour ça qu'il y a un point d'interrogation ici, peut-être que le nombre est quelque chose qui est un peu plus adapté pour les aspects sanitaires, alors que la masse, c'est la réglementation, et c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des organismes doit jouer pour atteindre une réglementation, s'adapter à la réglementation. Voilà, ces bases-là rappelées, je voulais quand même montrer aussi ce genre de choses pour vous dire que ces objets dans l'atmosphère sont extrêmement différents, non seulement par leur taille, par leur chimie, mais aussi par ce qu'on appelle l'état de surface, c'est-à-dire la qualité de leur surface et les échanges qu'elles peuvent avoir avec le monde extérieur. On voit ici des particules, par exemple, ça c'est une particule de terrigène, crustal de sol remise en suspension. Ici on a bien sûr quelque chose qui est une particule végétale qui est issue de spores d'un végétal, je ne sais pas trop lequel parce que ce n'est pas trop mon domaine. Et puis ici on a deux types de particules ici issues de processus de combustion. Combustion de gaz, où on voit qu'on a des très petites billes qui viennent s'agglomérer en chaîne. Et ici, combustion de fioul lourd, où on voit qu'on a un squelette carboné qui a été très travaillé par des bulles de gaz à l'intérieur qui ont explosé, donc avec une capacité d'échange avec les gaz ou nos poumons qui est assez importante.
Donc on va se retrouver avec vraiment des objets dans l'atmosphère qui sont extrêmement différents. Et l'ensemble de mon travail, ce à quoi je travaille depuis presque 20 ans maintenant, c'est comprendre d'où viennent ces particules, comment elles évoluent et quels sont leurs impacts. À la fois à travers des développements de méthodes et de caractérisation chimique, à la fois dans le développement des traitements des données qu'on peut obtenir et aussi dans l'application sur des sites d'études très diversifiés. Vous verrez, je vous montrerai que je travaille dans l'arbre effectivement, mais que je travaille aussi énormément sur énormément d'autres sites. Ce qui nous permet ce soir de pouvoir comparer les données qu'on a dans l'arbre avec des données qui viennent d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, la première étape, c'est de procéder à des analyses chimiques. Comment on fait ça? En fait, on va récolter, ou surtout les associations de surveillance de la qualité de l'air avec qui je travaille, vont récolter énormément de filtres qui sont prélevés à travers un gros aspirateur. Là-dedans, il y a une pompe. L'air est aspiré à travers une tête qui va sélectionner soit les PM10, soit les PM2.5. Et ces particules sont filtrées sur des filtres qui sont ici, avec un magasin qui permet d'en faire passer un certain nombre. À la fin, on récupère un filtre qui a à peu près cette tête-là, une quinzaine de centimètres de diamètre, et sur lequel, dans mon laboratoire, mais aussi dans d'autres labos, on va faire, en règle générale, de 8 à 9 analyses chimiques qui nous permettent de caractériser à peu près 160 espèces chimiques, depuis des métaux jusqu'à tout un tas d'espèces organiques et d'espèces comme le sulfate, etc., etc. Donc à la fin, on obtient quoi? On obtient quelque chose comme ça, qui est en fait une vision moyenne, ici dans le cas de Passy en hiver 2013-2014, avec la moyenne observée sur à peu près une soixantaine de filtres, je dirais, où on peut établir un espèce de bilan de quelle est la composition chimique de ces particules. Et on voit ici qu'on a de la matière organique qui compose 70% de ces particules, on a du carbone suie pour à peu près 10%, on a une petite fraction de métaux là-haut avec d'autres ions, etc., etc. Et si on va aller caractériser cette matière organique, déjà on ne sait pas trop bien tout faire, mais on est capable de caractériser à peu près 130 composés qui vont depuis des HAP, des opales qui sont liés à des sources véhiculaires, et puis toute une kyrielle de composés qu'on appelle des monosaccharides amides qui proviennent de la combustion de la biomasse. L'idée de faire ça, en fait, c'est à la fois d'avoir un bilan sur ces compositions chimiques de particules, mais c'est aussi de mesurer ce qu'on appelle des traceurs, c'est-à-dire des espèces moléculaires, des espèces chimiques qui sont spécifiques, plus ou moins spécifiques de telle ou telle source d'émission donnée, ce qui va nous permettre, après, dans nos analyses, de retrouver la trace de ces sources-là et d'essayer de quantifier la proportion à laquelle elles ont contribué dans les échantillons qu'on a mesurés. Ici, je vous donne l'exemple, par exemple, du lévoglucosan, qui est cette molécule traceur de la combustion de la biomasse, qui provient de tout un tas de réactions, mais initialement, c'est la décomposition thermique de la cellulose étant un sucre, avec une chaîne de glucose qui va être coupée par la dégradation thermique à basse température, et puis on va retrouver cette molécule-là. Et quand on la mesure dans nos échantillons, on est parfaitement sûr qu'elle ne peut venir que de la combustion de la biomasse. Donc on a un traceur univoque, un traceur unique de cet aspect combustion de la biomasse. Après, on peut jouer avec d'autres choses qui sont des caractéristiques chimiques. On voit ici, par exemple, des échantillons qu'on a été prélevés sous un tunnel près de Marseille, donc où la source véhiculaire est prépondérante. Et puis, dans un foyer fermé, chez un particulier, où on voit qu'on a énormément de carbone organique et un peu de carbone élémentaire. Et on voit ici, par contre, que dans les émissions véhiculaires, on a énormément de carbone élémentaire, avec une grosse fraction de carbone organique quand même, mais la proportion est inversée par rapport aux aspects de combustion de la biomasse. Une fois qu'on a tout ça, alors je ne vais certainement pas vous montrer que des résultats qui sont issus de la vallée de l'Arve. L'intérêt, c'est quand même de comparer par rapport à des études nationales. Et on a récemment terminé une étude qu'on a appelée Source, sous le pilotage du laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et qui était financé par l'ADEME, où on a regroupé des données sur à peu près une vingtaine de sites un peu partout en France avec au moins un an d'études pour avoir une bonne représentativité statistique
avec à peu près 120 filtres par site et la large caractérisation chimique que je vous ai montrée juste avant. Bon, le reste, c'est un peu du bricolage scientifique. L'idée, c'est quand même que des rapports sur cette étude sont disponibles sur les sites web du LCSQA ou de mon laboratoire, l'IGE, et donc les personnes intéressées peuvent aller facilement les retrouver. Donc, je vais comparer les résultats de ces mesures sur ces différents sites, et je vous ai mis ici, ça a sauté, voilà, je vous ai mis ici, par exemple, les mesures qu'on a pu faire sur le sulfate. Le sulfate qui provient en fait de l'oxydation du SO2 qui peut être émis par des usines, par des incinérateurs, par etc. etc. Et on voit ici qu'on a tout un tas de sites urbains, Talence, Lyon, Poitiers, Nice, Marseille, Port-de-Bouc, Aix-en-Provence, Rouen, etc., etc. Ici on a deux sites, là c'est des sites de fonds urbains, là c'est deux sites trafic à Roubaix et à Strasbourg. Ici ce sont les trois sites de la vallée de l'Arve sur lesquels on a travaillé dans le cadre du programme des combios. Passy, Marna et Chamonix. Et ici, ce sont des sites ruraux qui sont éloignés de toute source de combustion. Certains sont de toute source d'émission de particules directes. Certains sont à plus de 10 km de tout village ou autre. On voit avec cette diapo-là qu'en fait, le sulfate ici qu'on peut observer dans les vallées est dans la moyenne, si ce n'est beaucoup plus bas que par rapport à beaucoup d'autres sites nationaux. Et on retrouve énormément de sulfate, par exemple, sur toute la façade méditerranéenne, où on va avoir le trafic maritime avec les combustions de fioul lourd qui vont aller produire du sulfate, parce que les bateaux, quand ils sont loin des ports, utilisent encore du fioul sulfureux. On a encore le droit d'utiliser des fiouls sulfureux. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que chacune des barres saisonnières représente au moins 25 mesures, donc avec une très bonne représentativité statistique. Hein. Si on fait la même chose maintenant pour... Ah, je suis sorti. Si on fait la même chose pour les nitrates qui proviennent de l'oxydation des NOx, et issus par exemple du trafic, on voit aussi ici que les mesures dans la vallée de l'Arve sont... dans une moyenne basse de ce qu'on peut observer sur le territoire national et en particulier beaucoup plus basse que ce qu'on peut observer sur les sites trafic de Roubaix et de Strasbourg. Ensuite, si on regarde par exemple le cuivre qui est un témoin de l'usure des freins et donc des émissions indirectes par la végétation, les émissions véhiculaires, on retrouve là encore des émissions qui sont extrêmement faibles. Vous voyez que sur les sites ruraux, on est très très bas, mais sur les sites trafic, on est extrêmement élevé. Et sur les autres sites urbains, on est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut retrouver dans la vallée de l'Arve. Le fer, dont on a parlé pour un certain nombre de choses, qui est issu de beaucoup de sources, dont les poussières du sol, on retrouve là encore des concentrations qui sont plus faibles dans la vallée de l'Arve et sont plus élevées que sur les sites ruraux, mais faible que sur beaucoup de sites urbains en France. Pour le plomb, on peut faire le même constat, je vais aller un peu plus vite maintenant, vous avez compris le principe de comparaison des sites de vallée de l'Arve par rapport aux autres sites du paysage national. Pour le vanadium qui est issu des combustions de fioul lourd, on retrouve des choses qui sont extrêmement faibles aussi. Combustion de fioul lourd, ça peut être des industries, ça peut être généralement des industries, mais aussi là on voit que sur la façade atlantique, toujours, on a ces aspects liés aux combustions par le trafic maritime. Pour le zinc, là aussi, dont on a parlé beaucoup dans le cadre d'une étude sur la vallée de l'Arve, on retrouve des concentrations qui sont extrêmement faibles et plus faibles que sur pratiquement tous les sites nationaux. Par contre, là où on a des différences, c'est sur des espèces qui sont liées à la combustion de la biomasse. Et pour le coup, on a des concentrations plus élevées, par exemple sur ce traceur dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'évoglucosant, on voit que les concentrations sont deux fois plus fortes, deux à trois fois plus fortes dans la vallée de l'Arve qu'elles ne le sont sur d'autres sites. Sur les sites ruraux, on a quelque chose qui est vraiment extrêmement bas, par exemple. Et puis le carbone organique, qui lui aussi est issu de combustion, dont la combustion de la biomasse, mais aussi d'autres types de combustion et d'autres sources, on a des concentrations qui sont élevées sur les trois sites de la vallée. Sur le carbone élémentaire, on retrouve la même chose,
des concentrations qui sont plus élevées ici. On voit qu'elles le sont aussi, par exemple, assez élevées à Grenoble et moyennement élevées sur les sites trafiqués, par contre. Donc, voilà. Et pour finir, je voulais montrer ces informations sur le BAP. Le BAP qui est un HAP parmi la kyrielle de HAP qui existe, qui est issu de tout type de combustion. Et on voit que par contre là aussi, on a pour les vallées de l'Arve, mais aussi pour la vallée de la Maurienne, la haute vallée de la Maurienne, à Lancebourg. C'est Lancebourg, ça. Où on a des. Alors ce sont des données assez anciennes, hein, déjà de 2013-2014, donc voilà. Et puis on a des concentrations qui sont faibles, même sur des sites comme Port de Bouc, qui sont des sites extrêmement industrialisés, puisque c'est Port de Bouc est une des villes dans la zone de Fos-sur-Mer, hein, donc à quelques dizaines de kilomètres, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres par rapport aux usines de Fos-sur-Mer. J'ai mis aussi une petite étoile à Lancebourg. Vous voyez qu'à Lancebourg, où on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'industrie ni beaucoup de trafic, on retrouve des concentrations en HAP qui sont extrêmement élevées. Et je vous ai remis ici les concentrations en lévoglucosant. Donc les concentrations en HAP sont en haut, les concentrations de lévoglucosant sont en bas. On voit qu'il y a une très bonne proportionnalité entre ces concentrations en HAP et les concentrations en lévoglucosant. Ce qui ne prouve pas que le HAP est entièrement émis par la combustion de la biomasse. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc le bilan de ces observations, c'est qu'en fait, sauf en période hivernale, les concentrations des espèces chimiques qu'on a pu mesurer, et encore une fois, on en a mesuré une bonne centaine, sont en moyenne systématiquement plus faibles dans l'Arve que sur la très grande majorité des sites français où on a fait des mesures. En période hivernale, les espèces chimiques sont plus élevées qu'ailleurs sont celles qui sont émises par la combustion de la biomasse, mais qui peuvent aussi provenir d'autres sources. Hein. Là, encore une fois, il faut avoir le mot juste. Une fois qu'on a fait ce constat et toutes ces analyses, on va essayer d'en faire quelque chose quand même, pas juste regarder les figures. Et l'idée, c'est quand même d'essayer de traiter les données de telle façon à réussir à faire une quantification des sources d'émissions desquelles sont issues les particules atmosphériques. Dans la nature, ce qui se passe, c'est qu'on a tout un tas de sources d'émissions qui sont en train de produire des séries d'espèces chimiques qui vont aller se mélanger pour aller être retrouvées dans un échantillon d'air ambiant. Et ce que nous essayons de faire dans nos laboratoires, c'est de faire le schéma inverse, c'est-à-dire de partir d'une série d'échantillons d'air ambiant et avec certains processus mathématiques dont je vous ai mis des exemples en bas, essayer de retrouver quelles étaient les contributions des sources qu'on avait initialement. Je vais pas du tout parler de la méthode qu'on applique pour faire ça, parce que ça sera un peu laborieux. Je vais passer directement aux résultats qu'on a pu observer dans l'Arve, où on a ici différentes sources qu'on a pu identifier dans les échantillons qu'on avait mesurés, depuis des sources riches en nitrate, des sources riches en sulfate, la source de la combustion de la biomasse, des procédés industriels, les poussières du sol, les sources véhiculaires ou alors biogéniques, des sources liées à tous les aspects de végétation. Et ce qu'on peut voir, c'est bien sûr qu'en été, on se retrouve avec des concentrations qui sont relativement faibles, comme on l'a déjà dit, et des proportions qui sont en grande partie liées d'une part à des apports extérieurs à la vallée, comme des apports en sulfate, et puis aussi à des sources biogéniques, ici représentées en vert clair. Par contre, en hiver, on se retrouve avec, et puis il y a une petite barre ici qu'on ne voit pas très bien parce qu'il y a un peu trop de lumière, mais qui est la barre de du véhiculaire, qui est ici, qui représente une petite fraction, bien sûr. En situation hivernale, sur les trois sites, on se retrouve avec une barre principale qui est liée en fait à la combustion de la biomasse ici et qui représente en moyenne sur l'ensemble de l'hiver 31 microgrammes pour Passy, 15 microgrammes pour Mana et une vingtaine de microgrammes pour Chamonix. Tous ces résultats ont été publiés dans le cadre d'une thèse qui a été faite et qui est disponible sur le net, qui est la thèse de Florie Chevrier, qui a été soutenue
en 2016. Donc ces résultats sont complètement publics. Si on transforme ces résultats non plus en masse mais en pourcentage, on obtient ce genre de choses maintenant, toujours dans le cas des trois cycles de larves et pour une moyenne hivernale, où on voit que la combustion de la biomasse représente entre 60 et 75% de la contribution au PM10 qu'on a pu observer, et les sources véhiculaires représentent entre 5 et 10% selon les sites, et puis un certain nombre de sources comme nitratrique et sulfatrique qui sont plutôt liées à des apports depuis l'extérieur de la vallée représentent une quinzaine à une vingtaine de pourcents selon les sites encore une fois. Ça, encore une fois, ce sont des résultats qui sont disponibles dans le cadre de l'étude des combios. Si on replace ce genre de choses dans le cadre de l'étude générale sur l'ensemble du territoire que je vous ai montré tout à l'heure, on a fait le même traitement des sources qu'on a pu faire sur l'arbre, on a fait sur l'ensemble des sites sur lesquels on a été mesuré. Donc la contribution de la combustion de la biomasse, en moyenne sur beaucoup de sites du territoire, beaucoup de sites urbains du territoire national, c'est de l'ordre de 25 à 30%. Dans l'arbre, on va se retrouver plutôt avec les chiffres que je vous ai montrés juste avant, avec quelque chose qui est de l'ordre de 60-75% au cours de l'hiver, et des contributions qui sont extrêmement faibles, évidemment, pendant les autres périodes de l'année. Pas complètement négligeable non plus, pas complètement nul non plus. Donc en gros, ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'il y a une spécificité de l'arbre, mais qu'il y a une spécificité qui est retrouvée sur beaucoup d'autres sites de montagne. Bon, je n'ai pas mis ici des résultats que j'ai pu obtenir dans des vallées en Suisse, en collaboration avec des Italiens aussi, ou alors des choses qu'on a pu faire à Lancebourg, ou des choses qu'on a pu faire dans les Bauges. On a été travailler dans tous ces différents sites, et on retrouve ce genre de, entre guillemets, particularité. Et l'idée, c'est en définitive que le point commun de tous ces types de sites, c'est qu'on est dans des vallées de montagne relativement encaissées. Et ça nous amène en fait à l'importance de la météorologie. En habitant dans les vallées, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a de la pollution qui s'accumule en fond des vallées, en liaison en fait avec ce qu'on appelle les inversions de température, c'est-à-dire de l'air qui est très froid, qui reste au sol et qui ne peut pas s'élever et provoquer la dispersion des polluants parce que cet air froid est plus lourd que l'air chaud et va aller s'accumuler. En fait, j'ai reporté ici des mesures qu'on a pu faire pendant l'ensemble de l'hiver 2016-2017, donc sur une période de 4 mois, 5 mois même, avec des mesures journalières, où on a été mesurer ce qu'on appelle le gradient de température, c'est-à-dire la différence de température qu'on observait à la station de Passy par rapport à 250 mètres au-dessus. Et quand on est ici au-dessus de la barre rouge, en fait, ça veut dire qu'on est en inversion, en situation d'inversion de température avec l'air qui est au sol, qui est 2, 3, 4, 5 degrés plus froid que l'air qui est à la station. Et si on reporte là-dessus les concentrations des PM10 qui ont été mesurées à la station de Passy par les appareillages de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on s'aperçoit qu'on a une très forte dépendance de la concentration des PM10 avec ces inversions de température. Et je peux vous dire que quand on travaille dans des sciences environnementales, de l'environnement, quand on a deux signaux qui sont aussi corrélés que ça, aussi suivis que ça, on est à peu près sûr qu'on a trouvé un lien entre les deux et lequel drive l'autre. Donc tout ça pour dire que le rôle des inversions de température qui est généralement rencontré en situation cyclonique en hiver est essentiel et provoque une accumulation des polluants près du sol de l'ensemble des émissions locales. Alors après, l'idée c'est d'essayer de comprendre quelle importance peut avoir ce genre de phénomène. Là je vais vous montrer en fait un cas un peu paroxysmique qu'on a été mesuré dans le cadre d'une autre campagne dans la plaine de Passy, à côté des services techniques municipaux, donc bien au milieu de la vallée, où on avait instrumenté avec un ballon captif qui montait et descendait, où on avait mis un certain nombre d'instrumentations qui nous permettaient à la fois
de mesurer les profils verticaux de température. Et on voit ici que la température ici est plus froide au sol qu'elle ne l'est 50 mètres au-dessus. Et donc on a une inversion de température qui fait une cinquantaine de mètres, ce qui veut dire que les polluants n'auront que 50 mètres d'altitude pour se disperser une fois qu'ils auront été émis à l'altitude zéro. Et si on remet là-dessus des mesures de ce qu'on appelle le carbone suie, alors là je vais appeler black carbone en anglais, mais c'est à peu près pareil, le carbone suie, on a en fait au sol des concentrations qui sont de l'ordre de 7000 nanogrammes par mètre cube, 7 microgrammes par mètre cube, et 50 mètres plus haut, on tombe à quelque chose qui est entre 500 et 800 nanogrammes par mètre cube. C'est-à-dire qu'en fait, une inversion de température au sol de cette dimension-là, 50 mètres, va conduire à une accumulation de polluants d'un facteur 7 sur ces 40 à 50 premiers mètres d'altitude. Alors là, encore une fois, c'est une situation au temps T, c'est-à-dire que ce n'est pas censé durer toute la journée, forcément. Et puis, c'est une situation un peu paroxysmique parce que... Hop, hop, hop. Non, pas du tout. Là, avoir une inversion de température qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés par 100 mètres, c'est des conditions quasi polaires, en fait, hein, qu'on rencontre très souvent dans les zones polaires. C'est beaucoup plus rare quand même dans les zones un peu européennes, mais encore une fois, PACI, c'est une situation assez défavorable par rapport à ce point-là. Au bilan, donc ce que je vous ai montré, c'est une comparaison des concentrations de ce qu'on a pu mesurer dans l'art pour les différentes espèces chimiques dans les particules PM10 dans un contexte national. Je ne vais pas redire la même chose, hein, mais on voit que ce sont essentiellement les espèces chimiques qui sont liées à la combustion de la biomasse qui constituent une fraction importante de la masse et qui jouent un rôle dans le cadre des épisodes de dépassement, puisqu'on a entre 60-75% de la masse qui est liée à cette source-là. L'idée, c'est quand même de dire que ces épisodes-là sont très dépendants de la météorologie locale et sont amplifiés dans les vallées encaissées. L'ARF n'est pas une situation unique, on retrouve ça dans beaucoup de vallées alpines, voire pyrénéennes aussi, voire on fait des études en Bolivie pour l'instant aussi, où on a le même type de choses, avec un facteur bien amplifié, puisqu'on a des concentrations à 300-400 microgrammes par mètre cube aussi. Ensuite de quoi, un point important, c'est quand même que réduire les émissions, c'est essentiel, parce que les émissions, c'est quelque chose qui va conduire à mettre des polluants dans cette couche-là, qui va être une couche un peu confinée. Ceci dit, quand on a des épisodes un peu paroxysmiques comme celui que je vous ai montré, on peut se poser la question si ça sera suffisant pour supprimer les dépassements. Voilà. Et puis après, je voudrais revenir à un point sur lequel j'avais commencé, que les mesures de masse sont les mesures réglementaires, et donc il faut agir sur ces mesures-là. Après, c'est peut-être pas l'ensemble, la masse n'explique peut-être pas tout dans le cadre des effets sanitaires qui sont mis en jeu entre les interactions des particules et l'être humain. Je dois avoir fini avec ça. Je voulais remercier l'ensemble de mes sponsors, entre autres les gens qui me payent au CNRS, à l'université, etc. Et je voulais vous remercier pour votre attention. Bien, je vais vous faire, quant à moi, un petit point très rapide. Alors, je n'aurai pas la verve de Jean-Luc Jaffrézeau, parce que je ne serai pas sur mon sujet. Je vais simplement contenter de vous restituer ce que j'ai pu voir avec donc Valérie Siroux, qui est épidémiologiste, chercheur à l'INSERM, et qui travaille sur pollution atmosphérique et santé humaine, qui est un de ses sujets de prédilection. Donc voilà, malheureusement elle s'excuse, elle ne pouvait pas être là ce soir, mais elle m'a fait part d'une présentation qu'elle avait déjà faite à Grenoble pour faire état un peu de l'état des lieux des connaissances sur la corrélation entre pollution atmosphérique et santé humaine. Donc tout d'abord, elle souhaitait qu'on rappelle aussi les trois étapes chronologiques qu'il y a eu dans l'histoire des pollutions. On a eu les pollutions avant l'ère industrielle, qui étaient plutôt dues à des pollutions naturelles, issues des éruptions volcaniques, des incendies, de la combustion.
On a ensuite les pollutions industrielles sur une période industrielle très forte, où là on avait plutôt les poussières et le dioxyde de soufre qui étaient en masse. Et puis la pollution actuelle, notamment due aux véhicules qui met plutôt en évidence les particules fines, les NOx et l'ozone. Et puis les effets sanitaires corrélés, individuels et collectifs. Donc on était plutôt sur l'époque industrielle sur des effets sanitaires massifs, mais qui sont maintenant en régression du fait de la régression industrielle. Et puis des effets, on verra après, des effets individuels très forts. Plus on était exposé, plus on était près de la source, et plus les effets étaient forts. Aujourd'hui, on est sur une pollution urbaine, qui a des effets individuels faibles, où on a du mal à mettre en évidence ces effets. Mais par contre, on a des effets collectifs importants. On est, en fait, tout le monde est touché. On est tous plus ou moins sur des milieux proches de ces milieux où les effets sont un peu diffus. En fait, ces effets, il faut aussi savoir qu'ils se classent en deux catégories, les effets aigus et les effets chroniques. Donc, les effets aigus, qui sont plutôt associés au pic de pollution, et donc c'est des effets qu'on va essayer de mesurer avec un certain type d'études qui sont assez longues à mettre en place, assez difficiles à mettre en place, puisqu'il faut arriver à mener de front des études en concentration des polluants pour les corréler avec des études qui vont travailler. Alors là, on est sur le VMS, donc on est sur le volume expiratoire, le volume expiré sur la première seconde. Donc on va mesurer la capacité d'expiration des personnes. Et puis on voit qu'on a des effets associés sur certaines études qui montrent un effet associé à un ou deux jours après à un pic de pollution. Et puis on a les effets plutôt chroniques, les effets quotidiens, d'exposition quotidienne, qui là vont plutôt avoir des effets sur la croissance pulmonaire quand on est entre 0 et 20 ans, et puis plutôt des effets chroniques sur le déclin de la fonction ventilatoire, et puis d'autres fonctions qu'on verra après aussi, quand on n'est plus dans sa prime jeunesse. Voilà, donc alors il n'y a pas d'études malheureusement sur la vallée de l'Arve, il n'y a pas eu d'études de fait, parce que ce sont des études qui sont longues et difficiles à mettre en place. Mais Valérie Siroux souhaitait nous communiquer deux études pour montrer un peu ce qu'on pouvait avoir comme corrélation. Une illustration des effets aigus. Alors là, c'est une étude qui a été menée en Angleterre avec 2 heures de marche avec 60 adultes asthmatiques à qui on a proposé de faire 2 heures de marche dans Hyde Park, puis sur Oxford Street. On était donc avec, et on voit ici les différences par... On voit ici les différences, donc là on est sur Hyde Park et là on est sur Oxford Street. Ici sur cette échelle on a la réduction. Donc FEV c'est le volume expiré sur la première seconde, quand on essaye de souffler très fort. Et le FVC c'est le volume maximal qu'on est capable d'expirer. Et on voit qu'on a bien, donc ici avec les mêmes personnes, sur le nombre d'heures d'exposition en bas, on a bien un déclin de la fonction respiratoire avérée quand on est sur le site le plus pollué d'Oxford Street. Une autre étude qui est pour l'illustration des effets chroniques qui a été menée sur Grenoble auprès de 350 adultes en 2013 avec une estimation de l'effet de l'exposition au dioxyde d'azote et au PM10 sur des paramètres de la fonction ventilatoire dont on a parlé. Donc là on voit aussi qu'on a une corrélation avec un déficit de la fonction ventilatoire suivant les différents sites qui ont été étudiés. Donc là, on voit, on est sur des études qui sont... Alors, c'est des études qui sont très longues à mener, très coûteuses, très complexes. Donc, il n'y a pas d'études ici. Mais voilà un peu les deux types d'études que souhaitait nous communiquer Valérie Siroux, qui permettent de comprendre les deux grands types d'effets qu'on peut avoir. Les effets aigus, associés plutôt à des types de pollution, des pics de pollution et des dépassements importants, et les effets chroniques dus à une exposition quotidienne. Alors, ce qu'on peut dire sur la pollution atmosphérique, c'est que, bien sûr, la pollution atmosphérique augmente le risque du cancer du poumon. De nombreuses études en population générale ont été menées qui prennent en compte les facteurs, d'autres facteurs existants, comme le tabagisme actif, mais qui montrent quand même une corrélation. Et puis, voilà. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des explications. Je n'aurai pas le talent de Jean-Luc Jaffrezeau. Mais en tout cas, on sait que c'est des choses qui ont été démontrées, et notamment le Centre international de recherche contre le cancer reconnaît en 2013 la pollution atmosphérique comme cancérigène certain.
les effets sanitaires certains ou très probables des particules atmosphériques et de l'exposition aux particules atmosphériques sont d'abord des effets sur les poumons, puisque c'est essentiellement ce qui est mesuré dans les études, sur le déclin de la fonction ventilatoire, donc avec voilà, des inflammations, du stress oxydatif, une diminution de la fonction respiratoire et, in fine, le cancer du poumon. Le cœur, avec une altération de la fonction cardiaque et une augmentation de l'ischémie et du risque d'infarctus. Des effets sur la circulation sanguine, avec notamment une coagulation augmentée, une hypertension, de la vasoconstriction. Et puis des effets sur le cerveau avec une augmentation de l'ischémie cérébrale. Ces connaissances ont entraîné la mise en place de réglementations dans la majorité des pays industrialisés dès 1950 aux États-Unis, plus tardivement en Europe et en France à partir des années 70-80. Et puis il y a aussi d'autres effets suspectés des polluants atmosphériques sur les questions de fertilité, de reproduction et de fertilité. Et puis sur le système nerveux central, notamment par rapport au neurodéveloppement, sur des expositions intra-utérines, plutôt dans le très jeune âge. Donc c'est des questions qui suscitent un intérêt croissant dans les études médicales pour les expositions subies, notamment durant la vie fœtale et les premières années de vie. Voilà. La pollution de l'air d'origine anthropique responsable, un impact sanitaire.